gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WeTrader. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. On va tenter un nouveau truc. Donc, j'ai relancé les bêtes, les grosses bébêtes, comme je les appelle. Donc, il y en a, comme vous le voyez, tout ce qui est empreinte, donc des zones. Donc, ici, ici. Ici, 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 ici. Et normalement, il y en a une, deux, trois dans cette zone-là. Et on va tenter d'en faire deux par vidéo. Donc, ça veut dire que par vidéo, je vais vous essayer de vous en buter au minimum deux. Donc, il y aura des ellipses, il y aura des coupures. Donc, voilà. Donc, je vous laisse en vidéo. On se retrouve au moment de la bestiole. Et c'est... Ça va être intéressant. Ça m'intéresse. Alors, on se retrouve donc pour la première bestiole. Donc, nous sommes dans les montagnes enneigées. Donc, tout bonnement, chaque fin de vidéo, on ira chercher bien sûr les têtes. Donc, on ira reposer les têtes vers le marchand et bien sûr je ferai vu que j'ai augmenté le niveau du monde hein, je suis plus niveau 3 mais niveau 4 parce que j'ai envie d'avoir de meilleures armes et tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas tenter avec les bébêtes et c'est ce qui est le mieux, donc c'est parti. Donc je vais couper le son et on se retrouve à la fin du combat.
Là, premier monstre battu, donc j'ai vraiment cru que j'allais mourir cette fois-ci, clairement. Parce que clairement, niveau 4, niveau du monde niveau 4, faut y arriver. Et plutôt costaud la bestiole, co plutôt costaud. Donc on va regarder ce qu'on a gagné avec notre cher ami. Alors bien sûr, si bien sûr mon équipement est mieux, je garde. Et si mon équipement est nul, je change. Donc voyons notre cher équipement. Donc au niveau des masques, pour le moment, pas grand-chose. Donc on n'a pas eu grand-chose. Donc on va recycler les choses. Donc hop. Au niveau des tenues, alors celle-là elle est plutôt classe, mais pas assez haut niveau. Donc clairement voilà. Alors celle-là, au niveau pouvoir de l'anomalie, elle est mieux, mais au niveau soins reçus, il y a moins, clairement. Et je suis en violet, donc tout est en bleu, donc je préfère recycler. Au niveau pantalon, j'ai du meilleur. Donc là, clairement, on va changer. Clairement, on change le pantalon. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc hop, ça, on recycle. Les gants, nous n'avons pas eu de gants. Et les chaussures, ben, on n'a pas mieux. Donc on recycle. Au niveau armes, nous n'avons pas eu d'armes de mieux. Et qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a eu des trucs comme ça? Non, nous n'avons pas eu de modification. Donc on modifie, on recycle. Et voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Donc cette zone est nettoyée, donc j'espère que pour le prochain boss, ça sera mieux. Donc on se retrouve juste après, et après ce boss-là, on se retrouvera pour vendre les têtes, pour voir au niveau des armes. Alors les gens, bon, allez, Ça va être intéressant. cette fois-ci, nous sommes dans la zone des décombres, donc nous avons fait un bon petit voyage. Donc c'est reparti, donc on va aller faire au niveau de la zone des décombres. Alors si je ne vous l'ai pas dit, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Petite info pour ceux qui me suivent depuis un moment, le Discord s'améliore de jour en jour, donc pour ceux qui sont intéressés pour aller discuter ou profiter des lives du samedi si vous voulez qu'on discute ou qu'on fasse des choses ensemble, n'hésitez pas à aller sur mon Discord et tout est en lien de description, façon. Donc voilà. Et si vous allez sur mon Twitch aussi, ce n'est pas interdit.
Bon, c'est fait. Maintenant, rapportons cette beauté à Noah. Bon, deuxième boss atteint. Bon, bah bonne game, moi je trouve, assez rapide. Donc voyons voir ce qu'on a gagné. J'ai même monté mon niveau au niveau de la difficulté, donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu même une distinction, donc niveau 15, j'ai eu... Oh super, un nouvel arrière, ok. Donc avec une récompense qui est juste ici. Là, on récupère la récompense. Donc voyons. Donc au niveau des armes, bon là on avait une arme verte qui nous servira à rien. Ça c'est pareil, bon elle a plus de cadence que le pompe, mais bon le pompe voilà. Là on a mieux, mais c'est une arme légendaire et donc je me vois pas la troquer. Donc je préfère les détruire, même si elles ont plus de cadence, plus de machin, ça sert strictement à rien. Toc. Là au niveau des casques on n'a rien, au niveau des tenues bon bah ça c'était récupéré dans le coffre donc ça sert strictement à rien. Le pantalon pareil, nous avons pas eu de nouveau pantalon. Nous avons une nouvelle paire de chaussures qui est rien du tout, qui a pas de... voilà. Niveau ça on a rien. Bon, bah voilà, hop, on me toque, on détruit. On se retrouve pour vendre les armes et on se retrouve juste après. Alors les gens, bon, cette fois-ci on se retrouve au bar pour donner les têtes. Donc on va voir ce qu'on va avoir comme arme. Alors bien sûr, moi, les monstres, je les avais déjà fait une fois en normal. Clairement, là, je montais de niveau. Là, vu que j'ai passé le niveau, je vais augmenter mon niveau du monde après avec vous. Et à chaque fois qu'on aura monté de niveau, à chaque fois qu'on aura récupéré au minimum 2 têtes par vidéo, on les rendra et je laisserai comme c'est. Donc voilà. Donc là nous avons donc rendre les trophées, donc la reine de la mine, donc c'était la dernière qu'on a eu, et le griffe froide, donc c'est le premier, donc c'est l'oiseau qu'on a eu, donc on va déjà les rendre un par un, donc c'est parti, donc on le voit qui a été déjà posté sur le machin, donc voilà, c'est un oiseau, une tête d'oiseau, clairement qui est plutôt sympa. Qui est plutôt cool, et la reine des mines, de la mine. C'est parfait. Qui est une petite tête. Et je suis en train de remarquer qu'il nous donne plus rien. Je suis en train de remarquer qu'il nous donne rien. Je vois qu'il nous file plus d'armes. Alors ça c'est un peu dommage. À part pour lui acheter, c'est tout ce qu'il nous propose. Ouais. Ben, je pensais qu'il nous filait des armes si on faisait. Ah non, il nous a filé automatiquement. Il nous a filé automatiquement des trucs en fait. Ok. Donc un genre de masque, ouais, mais qui n'est pas mieux que le mien. Par la grâce de ton art morbide, une autre beauté orne mon mur. Merci encore. Donc ça, et un pantalon qui est mieux. Qui est mieux, donc on va le prendre. J'imagine que t'as rien à voir avec ce son et lumière. Non. Donc voilà. Et une fois que on aura fini tout ce qui sera bestiole, je ferai des vidéos pareil. Je ferai alors peut-être un par un parce que quand même les chasses de primes sont quand même beaucoup plus longues. Là, je ferai un par un. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. La prochaine fois, on continuera. Donc je pense que ça sera tous les mercredis. Je pense que je vous ferai un truc comme ça. Ah bah d'accord. Qu'est-ce qu'il cherche là? Tous les mardis, il y aura une vidéo sur Outrider, donc avec les bestioles, jusqu'à qu'on finisse, parce que la dernière est quand même assez grosse. Je pense que le dernier monstre, je le ferai en une vidéo. Bien sûr, j'allais oublier. Et... Putain, il manque 1%. 1%, il me manque 1% pour passer niveau 5, le monde au niveau 5. Donc voilà, pour la prochaine fois, on passera niveau 5 avec le prochain monstre. Donc ça va être cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Et on se dit à la prochaine pour ce joli jeu que j'apprécie de mieux en mieux. Et on se dit à la prochaine, les gens, c'est Drac Survie. Peace!